Grande tournée européenne avec le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur 2 mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Crasso prie tous les comités d'organisation de chaque pays cité de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00 337 80 860 057, 00 337 62 402 484. Que Dieu vous bénisse. Elle est sorcière. Bah, mais son gars, tu vas y voir. Elle est sorcière. Comment devenir sorcière? Papa, c'est avec qui tu vas y voir. Elles disent qu'elles ont une association des femmes au village et elles travaillent ensemble dans les champs. Et c'est dans ça qu'une femme parmi elles qui était sorcière a transformé la viande de porc en chair humaine et elle les a tous initiés à la sorcellerie. Elle a transformé la viande de l'homme, de porc en homme, et les a tous initiés à la sorcellerie. Donc, c'est une dame. Et quand ils ont initié la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques mois, nous avons baillé, nous avons enseigné. Nous avons baillé. Elle dit qu'elle a peur de tuer les personnes. Elle dit que quand quelqu'un fait quelque chose aussi, elle dit quand elle a la sorcellerie aussi, elle fait aussi parler avec les gens, elle fait les histoires. Là aussi. Non, sorcellerie ne fait pas les histoires, elle tue, elle gâte. Un sorcier est venu faire balade, c'est ringoulé. Il y a un bail de pas tout le monde. Tu as tué combien de personnes? Ça n'y a pas plus. Ça n'y a pas 27 personnes. Pourquoi tout à l'heure tu m'as dit une personne? Oui, c'était quand il y a qu'un mousse, le rang, ça n'y a pas plus. Non, je n'ai pas été surprise, c'est vrai, là. Elle a été effrayée. Par qui? Est-ce qu'elle te traduit bien? Par qui? Toi, on peut t'effrayer. Demande-lui. C'est toi qui effraies les gens ou bien nous, on peut t'effrayer. Toi, sorcier, qui peut t'effrayer? J'ai un jour. Ouais, mais tu seras en pour souvent. Sans pas coûter. Alors, eh bien, ma frère, toi, on peut t'effrayer? C'est toi qui peux effrayer les gens la nuit. Toi, un peu d'effrayer. Il y a encore un petit sermon. D'ailleurs, c'est moi qui ai un petit homme. Elle dit qu'elle était assise là. Quand on l'avait appelée, elle était surprise. Elle s'est fait la discussion. Pourquoi? Et c'est toi. Pourquoi tu vas être surprise? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es sérieux? Pourquoi? Attends, pourquoi? La vieille, il y a un chrétien, c'est pour moi. Pourquoi? Un chrétien. Maman est salie, c'est pour moi. Comme elle sait qu'elle a fait quelque chose, ça fait là, il peut. Quand tu as fait quelque chose de mauvais, tu n'as pas peur, tu dis. Pourquoi tu sois? Pourquoi toi tu as peur? Pourquoi tu ne veux pas quitter? Bien, yo. Quand il s'en va, tu n'as pas. À quand tu dis dans le corps qu'on veut sur le chaos. Mais tu devrais quitter, tu dis aux gens, j'ai fait qui? Yes, à quand on a pris les gens comme nous tiens. Elle dit qu'elle veut quitter la sorcellerie. Elle quoi? Elle dit qu'elle veut quitter la sorcellerie. Et même dans les rêves, elle veut plus pratiquer la sorcellerie. Mais quand on a peur d'aller à la sorcellerie, on n'a pas peur de parler.
Elle dit quoi? Elle ne voyait pas du temps. C'est maintenant qu'elle a vu. C'est quand elle est venue ici. Eh, il parle trop. Tu veux délivrer ou pas? En mon nom, 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 quelle est la société qui a tué des personnes? Maman, lui, c'est moi qui l'ai porté, c'est moi qui l'ai envoyé. Venez ici, c'est moi qui l'ai emmené ici. Papa, il y a une société, il va y avoir un gars avant. Elle dit non, qu'on ne l'a pas envoyé ici, parce qu'on n'a pas forcé pour l'envoyer ici. Elle est venue, elle est venue d'elle-même pour sa délivrance. Voilà, mais délivrance n'est qu'à parler. Il y a un canon en bénédiction. Il y a un canon en bénédiction. Quelle est la société? Bon, ok, tu as tué 27 personnes, on continue. Après les emblèmes, pourquoi vous parlez du bon? Quand tu tues, là, ça te fait quoi? Faut dire quand elle tue l'homme. Demande, quand elle va tuer une personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Bah, y'a un bisou qui est yo. Après coup, ça. Papa, c'est bon. C'est terrible, hein? L'être humain est sacré. Vous le regardez et vous le tuez. Ah! Quand on va pour coup, ça. Souvent, quand j'ai fini les aveux, je réfléchis à ça jusqu'à. Comme un être humain qui se repose, vous savez que tuer une personne n'est pas bien. Et vous torturez la personne. Et vous tuez. Et de sous quoi vous partez manger encore ça. Vous lui demandez quand il tue l'homme là, ça fait quoi? Il y a 4%. On s'en sait. Elle dit après l'avoir tué, elle a peur. Peur? 1, 2, 2, 7, qui peut? Il a appelé à Blanc-Rissot, c'est l'aide de Ougani. J'ai appelé l'école. Il a dit que là-bas, il y a une hiérarchie. Et que si le patron dit va travailler, il ne fera que faire le travail. Tu es patron. Il faut laisser après des patrons. Toi-même, tu es patron. Il y a pourquoi patron? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'envoyer. Non, c'est toi qui envoie les gens. On va se mettre en mode. Laisse ça faire des patrons. Je dis oui, c'est eux qui les envoient. Alors, maintenant, tu écoutes quelle voix des patrons? Il y a patron béni, il y a quelqu'un des patrons. Vous voyez, anti-patron. Vous êtes combien là-bas? Anti-Sranielo. Il y a 109. 9 personnes. Ça va. C'est très bien, tu as dit la vérité. Toi, tu es quoi là-bas? Parmi les neuf là. Sans grand nombre, à Timoua. Mais les gens ne veulent pas qu'on parle de ça, le sujet. Il y a tellement de choses. On doit parler de ça. Nos cadres, les gens travaillent, ils sont victimes de ça. On les détruit. Les gens sont là pour mener la vie difficile aux gens, cacher la vie. Elle dit là-bas, elle est la patronne, la reine. Où est ton gourdin? On va quand même pas construire un gourdin. Elle dit qu'elle a laissé ça au village là-bas. Ah, mais tu viens te délivrer et tu laisses ton, l'arme que tu prends pour tuer là, là-bas. Pourquoi? Ah, pastor. Demandez, faut lui demander. Elle était venue pourquoi ici? Pourquoi tu n'as pas à lui avoir? Elle vient parce que ce qu'elle a fait n'est pas bon. Elle vient pour que. Bon, maintenant ce que tu prends pour tuer là, tu laisses ça là-bas. Ok, bien, yo. Il dit d'avoir un appareil sa terre. Pourquoi il y a un kilo? Il y a un kilo. Hein? Elle dit, c'est pas qu'on a. Donc, elle doit envoyer ce qu'elle a laissé ça là-bas. Plus de sorciers. Les bouches. Tu sais pas qu'on doit envoyer. C'est comme un bandit, il faut lui dire. C'est comme un braqueur. Hein, qui vient à la police pour dire, je suis braqueur. On lui dit, mais où est le fusil? Ben, c'est pas braqueur dans la bouche. Oui, c'est qui dit prend pour aller braquer. Non, j'ai laissé monsieur dans ma chambre. On dit, non, toi, non, tu n'es pas venu. Viens, il faut. Non, on va te suivre là-bas. Elle est venue essayer pour dire, elle va venir voir
Et puis on voit s'il est vraiment sorcier. On t'attrape. On t'attrape. Où est ton canari? Parce qu'elle est un canari. Elle est un canari très mystique. C'est son lit. Elle regarde. Non. Elle a un canari. Où elle regarde dedans pour voir les gens pour les tuer. Elle regarde. Alors c'est marquant, limbolo. Anya nous avons samu yé akunjo ouni. Où c'est? C'est marquant, ouro. Elle dit c'est où? Ok. Bon, j'ai besoin de ça. Va t'asseoir. Pour qu'il n'y ait pas de chance. Ah, ok, c'est marié. Tu fais ça comment est ça? Papa, c'est marié. Après, il n'y a pas de chance. C'est marié. C'est marié. C'est elle dit que c'est comme un miroir. Quand elle parle quoi? Elle dit c'est comme un miroir. Un miroir. Quand tu déposes et puis tu regardes, tu vois les gens. Tu vois les gens là-bas. Voilà. Puis tu as laissé tout ça, tu es ici. T'as compris? Lui-même, tu l'as fait quoi? Bon, on va voir, pourquoi tu m'as dit ça? Ça y est, qui sait? Si tu dis, je te délivre. Bien, yo. C'est qui t'a fait celui-là? Si tu as le courage de dire, je te délivre. Bien, yo. Il te rappelle le oiseau, ça a quand? On a dit, oh, très bien. Bien, yo. Si tu n'as rien dit. Elle dit que son fils, la femme de son fils, il dit qu'il ne faut pas qu'il va enfanter. Donc quand la femme prend une grossesse, elle boit le sang. Elle boit le sang avec la grossesse. Quand la femme, le fœtus, tu casses. Ah, j'ai fait comment elle fait. Je suis en train de. C'est comme ça fait. C'est comme ça fait. Il faut lui dire comment elle fait ça. Papa, c'est papa, c'est normal parce qu'elle est reine. Quand tu arrives à ce stade-là, tu as la capacité d'aller détruire les fœtus. J'utilise ça. C'est cette partie vitale, le sang là, ça là, ça leur donne force. Si moi, il ne voit pas ça, il n'a pas de force. Mais justement, voici la partie qui est dangereuse. C'est ça qu'il faut, mener un combat farouche contre la sorcellerie. Les blancs qui se sont levés pour aller combattre la sorcellerie, ce n'est pas ce qui était fait. Mais c'est nuisible, ce n'est pas utile la sorcellerie. Des innocents meurent à cause de leur pratique. Et ils ont réussi à éradiquer ça. C'est une autre forme. La franc-maçonnerie, dans une autre forme, la sorcellerie, la magie. Mais ici, c'est la sorcellerie brute qu'ils ont combattu là-bas. C'est ce qui se trouve ici. Eux ne vivent que de ça. Ils ne sont allergiques. Prêtez-moi. Ils sont allergiques à la bénédiction. C'est-à-dire, quand tu dois ton étoile, il détruit ça. C'est ça le danger. Et tu es là, tu es bloqué. Toi-même, tu sens que tu es dans une prison. Écoutez, quand quelqu'un suit le contrôle de la sorcellerie, c'est la frustration. C'est tout. C'est pas autre que ça. Pour avoir des contrats, ça se gâte. Rien ne bouge. Tout est bloqué. Ça veut dire que tu es sous le contrôle d'un esprit de la sorcellerie. C'est ce que la sorcellerie, il faut la combattre. Il ne faut pas jouer ça. Il ne faut pas jouer ça. Malheureusement aujourd'hui, peut-être que c'est, peut-être d'autres personnes ne savent pas. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut te détruire. Quel est au niveau 2 de la sorcellerie? Il est ton collègue. C'est pour cela que ce n'est pas n'importe qui. On fait amitié. Camaraderie. Moi, je ne fais pas confiance à tout le monde, je suis désolé. C'est pour ça qu'il te scanne d'abord. Parce que le sorcier, il va vouloir te détruire. C'est la partie des bénédictions. J'ai compté ça dans mon livre. À Guéillot, il y a une sœur chrétienne dans une église qu'on appelle l'église du réveil. Guéillot, cette sœur, elle était chargée par la confrérie de Guéillot de détruire les mariages dans les églises. C'est une diaconesse dans une église. Là, il y a trop de choses à dire. C'est parce que tout ce qui concerne l'église, je n'ose pas parler pour ne pas lancer un discrédit sur l'église. Sinon, pasteur sorcier, j'ai déjà délivré ça. Il y a tant de choses que je peux dire ici, ça. Mais je garde ça pour ne pas salir l'image de l'église. Amen.
C'est pour ça que je m'abstiens, je ne parle pas des choses qu'on vit même dans notre milieu. Notre milieu là-même, il y a beaucoup de choses. Comme j'ai rencontré des pasteurs sorciers qui pratiquaient la sorcellerie dans Brigand. Je n'ose pas dire c'est bon. Voilà, c'est bon, il ne faut pas y aller trop. Qui sont venus, il y a un d'entre eux qui est venu faire des aveux. Il y a trop de choses. Qui est venu se confier à moi. Montrer une vidéo de... Bon, c'est bon. Non, c'est bon. Il y a des choses, je n'ai pas envie de trop dire, c'est bon. J'ai trop aidé. Il y a des choses que j'ai détruites secrètement, ici en Côte d'Ivoire. C'est ça que ma vie est souvent menacée, mais je suis dedans. Parce que je ne vais pas permettre que les sorciers tuent les gens. J'ai été victime, je suis le rescapé de ma famille. Et c'est là que je ne joue pas le sujet. Quand tu es sorcier, je ne joue pas ça. Si vous ne voulez pas vivre, laissez les gens vivre leur vie. Mais attends, Dieu m'a donné une étoile. C'est pas toi, une vieille pauvre femme, tu ne peux pas marcher. Là-bas, tu couilles, si tu ne couilles pas. Tu as venu bouffer mon étoile, pourquoi? Donc, voici ça, la sorcellerie. Il y a tellement de sujets pour lesquels on doit parler. Et grâce est comme ça. Il y a trop de choses à dire. Pourquoi on ne parlait pas de sorcellerie dans vos églises? C'est vrai que Jésus revient, ne péchez pas, mais le sujet là, il est très important. Il n'y a pas vos fidèles dans les églises là, ils sont tous victimes de la sorcellerie. Arrêtez de rencontrer des conneries, vous prêchez, tanana, je suis le meilleur, tu es meilleur. Faut attaquer la sorcellerie. Vous parlez d'autres choses, vous êtes là, vous parlez d'autres choses. Allez attaquer. Moi j'encourage les hommes de Dieu. Je les appelais, ils ont peur. Mettons-nous ensemble. On va faire les grosses campagnes pour éradiquer la sorcellerie en Côte d'Ivoire. C'est possible. Les gens me disent, Jésus, c'est possible. Vous avez les voix. Il y a des pasteurs, ils disent pas les noms. On s'est rencontrés à la télé. Je les invite, ils disent, mais chez toi, on dit les sorciers sont assis là. Toi, t'es assis là. Il dit oui. Hein? Il dit, mais il dit, là. Il m'a dit, t'es pasteur. Révérend. Tu es bishop. Quand c'est à la télé, tu parles, brr. Nous, on est devant comme ça, dans leur narine, et puis on les met au bas. Bah, les sorcelleries, là, c'est devant les écrans, vous parlez, prends maman Facebook, vous, ton sorcier va mourir. Ça, c'est devant Facebook. Faut venir voir la vieille, là, pour lui dire ça. Ça n'a pas testé. Témoignage, tu vas rendre, là, c'est paquet comme ça. Ton témoignage. La nuit avait été visitée. La nuit avait été visitée. Elles ont dit, il y a tellement de sujets. Les gens sont victimes de la sorcellerie. Les gens sont frustrés. Le mariage est bloqué. Le travail, il n'y a plus de prospérité. Les finances sont bloquées. Le monsieur a fait son travail. Il connaît son travail. Il n'avance pas. Lui-même, il est convaincu qu'il y a le même mystique dedans. Les gens disent, les Africains sont superstitieux et ils voient le diable. Mais le diable est partout. Attendez. Le diable, il est partout. Le monde invisible existe, le monde mystique existe. Si ça existe, c'est que ce qui m'arrive là, c'est d'ordre spirituel. Parce que j'ai rempli toutes les conditions physiques. J'ai tout. Maintenant, pourquoi j'avance pas? Pourquoi? C'est ça, le point d'interrogation. C'est que c'est quelque part d'autre. C'est mon problème, les spirituels, les plus physiques, il devient carrément spirituel. Or, c'est le spirituel qui fait le monde visible. Sur ce côté-là, vous ne voyez pas ça, vous êtes barbaré. C'est ça que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le monde spirituel, d'abord. C'est ça qu'il faut traiter avec le monde spirituel. Quand vous avez une affaire que vous devez aller traiter à 1h du matin, levez-vous jusqu'à 4h. Priez pour le rendez-vous. Parce que entre vous et le rendez-vous, la sorcellerie peut détruire ça. Vous loupez les grâces parce que vous ne savez pas comment entrer en contact. Alléluia. Amen. Le jour où Aman allait se plaindre du roi pour détruire Mardochée, la Bible dit, la même nuit, le roi n'a pas dormi. Vous savez ce que Mardochée est en train de faire? Il est en train de parler au roi. Parler à l'âme du roi. Vous avez des rendez-vous d'affaires. Vous ne traitez pas avec le monde spirituel. Vous voyez ça comme ça, non? C'est que si il m'a donné un rendez-vous, il va respecter. Mais le monde spirituel, tout peut se détruire.
Vous avez un rendez-vous, vous priez pour ça. Il faut que le monsieur, en te voyant, qu'il accepte tout ce que tu vas dire. Tout est possible. La Bible dit, tout ce que nous lions sera lié, tout ce que nous délions sera délié. Parle à son âme. Si ça s'appelle Jérémie, tu dis, le jour, Jérémie, à 8 ans, on a un rendez-vous. Dès que tu me vois, tu signes le contrat. Tu dis ce qui passe ici. Ce n'est pas fait d'envoûtement. Tu signes le contrat. Se sont bloqués quelque part dans les tiroirs. J'entends que ça fait souvent de justice. Vous devez prospérer. Amen. La prospérité, c'est pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas à ta mort que tu vas rendre témoignage. C'est de ton vivant. Nous ne devons pas échouer. L'échec n'est pas de Dieu. Alléluia. Vous avez une affaire. Mais traitez ça. Pendant toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Il fouillait le lit de chronique. Il tombe sur un sujet où Mardoché avait aidé. Il n'a pas été récompensé. Dès que Haman s'est présenté, le roi a commencé à parler. Amen. Nous avons le pouvoir de Christ pour régler toute solution. Tu ne dois plus échouer. Amen. Tu ne dois plus échouer. Amen. Tu m'as promis l'argent. C'est moi. C'est mon affaire. Tu dois me donner. Tu ne m'as pas donné, tu ne dois pas. Il y a des prières comme ça. Tu vas te lever pour venir me donner mon argent. C'est pour moi. Il n'est pas troublé. Il y a des prières kamikaze, je vais vous donner. Tout ça, lisez mon livre. Il y a trop de prières dedans. Ça va bientôt sortir. Il faut qu'il vous donne. Si son cœur n'est pas touché, il ne va pas s'élever. Or, s'il est là et qu'il ne pense pas à vous, il doit penser à vous. Il est là. À partir de 1h du matin, c'est des prières stratégiques comme ça. À partir de 1h, quelqu'un te doit. Il faut qu'il envoie ton argent. Tu envoies l'Esprit de Dieu sur lui. C'est s'agit de son âme, son cœur. Tant qu'il ne t'a pas donné, qu'il n'est pas la paix. Parce que toi, tu es le prince de paix. C'est Dieu qui donne la paix. Mais lui, il ne doit pas avoir la paix parce qu'il te doit. S'il a la paix, il va dormir. Il ne va pas prendre ton sujet au sérieux. Il dort, il pense à toi. Il se réveille, il pense à toi. Il ne va pas venir t'appeler pour dire, viens prendre ton argent. Je suis fatigué, viens prendre ton argent. Combien? Quand vous voulez le dossier, donner un dossier de travail, un dossier, c'est pour vous. Parce que le travail est une bénédiction. Le plan de Dieu, c'est que tu travailles. Amen. Celui qui ne travaille pas, ne doit pas manger. C'est ce que la Bible dit. Alors, Dieu lui-même te demande d'aller chercher. Quiconque cherche, trouve. Alors donc, tu prends le dossier pendant 3 nuits. Tu pars sur le dossier. Et toi-même, tu es convaincu que ton CV, tu amènes. Tu pars pendant 3 nuits. Tu pars sur le CV. Dès que le monsieur touche le CV, tant qu'il ne m'a pas pris dans le travail, qu'il ne soit pas en paix. 3 nuits. Vous priez de minuit à 4 heures, minuit à 4 heures, parler sur le dossier, balader, parler sur le dossier. Ce n'est pas en fait d'envoûtement. Ça, ce n'est pas en envoûtement. Il doit prendre ton dossier. C'est tout. C'est tout. Simple que ça. S'il refuse, en quoi Dieu est glorifié? Dieu, celui qui exauce les prières. Amen. Quand quelqu'un n'est pas exaucé, quand quelqu'un est bloqué, sa foi prend un coup. Qu'il ne voit pas, sa foi prend un coup. Quelqu'un que Dieu écoute constamment, il a plus la crainte de Dieu. Il a peur de décevoir le Seigneur. Alléluia. Amen. Les sorciers là, c'est vous qui les donnez raison. Quand ils commencent à parler, vous les sorcelleries, ils font les programmations. À partir de minuit, 3 heures de temps, ils vont forcément arrêter. Parce que l'heure, la porte de la journée s'ouvre à partir de 4 heures. Nos frères musulmans, c'est Allah, Allah Akbar. Le médecin, il crie dans le quartier. Donc c'est là les portes s'ouvrent. Or, cette heure-là, elle est très stratégique. Elle est très stratégique. Mais nous, on dort. C'est là même on fait des conseils gaz. Le gars même, il ronfle même. Tu dis, mais c'est quel conseil il est en train de faire dans sa chambre? Là, il y a trop de... Donne-moi une montre-côte. On est un bandiard. Montre-côte. Or, c'est à partir de 80 sommets, la demain tout. Et sucré. Il y a sucre dedans même.
C'était trouver ces quatre. Or, c'est là qu'il faut prier. Amen. Mais c'est là. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ne négligez pas la prière. Une fois que vous négligez le spirituel, tout se dégrade, tout s'écroule autour de vous. Amen. C'est pour ça que là, à partir de 3h, 3h30 jusqu'à 5h, 1h30 de prière, vous avez tout possédé. Vous déprogrammez la mort, l'accident, parce qu'ils vont programmer mort, accident, pauvreté. Si vous détruisez votre image, l'humiliation, tout se programme en même temps. Vous déprogrammez. À partir de 5h, vous commencez à proclamer les choses sur votre vie, sur la journée. Vous avez la bénédiction. Pourquoi toi tu pries puis tu n'es pas exaucé? Tu ne sais pas prier. La Bible même, Jésus m'a dit, vous priez, vous ne les pas si vous priez mal. Vous n'avez pas prié. C'est pour ça que bientôt même, ils vont avoir une école. Je suis là pendant 2 semaines. Je vais enseigner comme ça pendant 2 semaines. Je serai là pendant 2 semaines comme ça. Ici à Divo, 2 semaines. Je serai tout le temps là comme ça. J'ai fait une école de prière. Je vais vous enseigner. Vous enseignez, vous enseignez, vous enseignez. Parce que c'est important. Le diable doit échouer. Il se tente et puis il échoue. Amen. Amen. Moi, quand il me met devant la prière du Seigneur, je suis content parce qu'il dit, Seigneur, je te remercie parce que j'ai rencontré le véritable Dieu que tu es. Amen. Parce que je sais que tu écoutes mes prières. Merci. Vous devez prospérer. On va, on revient, tu es la même personne. Rien ne bouge. Mais ça veut dire quoi? Quoi? Oh, tu as une Bible, tu vas à l'église. Mais c'est parce que les gens veulent voir. Ils veulent voir Dieu en train de te bénir. C'est ça qui va les attirer. C'est tout. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Tu as fait quoi sur lui? Il y a un peu à y voir ma soeur. Elle dit que lui, il n'a rien fait sur lui, mais c'est sa femme. Elle garde le fœtus de sa femme. C'est comme ça? Hein, dans le micro. Il me va témoigner maintenant. Bon, effectivement, ce qu'elle dit, je crois que c'est en tout cas, c'est réel. Parce que ma femme et moi, ça fait 13 ans ensemble. On n'a jamais eu de retard. 13 ans. Pas de retard. La vieille boit le sang. Quand je vous disais la sorcellerie, là, ça commence d'abord familial d'abord. Qu'est-ce que tu as fait de monsieur? Non, que aille le voir mon gosse pour un pour vous. Allez, tiens, venez. Ça, c'est ma femme. Non, yo, pourquoi ça aille le voir mon gosse pour un gosse? Il faut lire, la vieille, tu veux délivrer. Après, le temps, on serait ni tu veux délivrer. Tu as fait quoi dans ton fils? Tu as fait quoi? Il y a 2 choses que tu as fait. Si tu dis, ok, je t'ai délivré. Il y a 2. Ça dit, il y a des questions à quand? On a dit, à quel on a dit? Il Moi, non. C'est ça? Moi. Ça n'a pas eu lieu. Au bon sens. Pas eu lieu. Tu connais, tu veux, ben non. Parce qu'elle sait le regard. Si je fais sortir les trucs, est-ce que le gars va pas me jeter? Elle dit qu'elle a bloqué son argent. Très bien. Ça, c'est une vérité. Comment tu as bloqué son argent? Papa, ça y a pas fait l'escalade. Non, mais c'est pas eu. Oh, même il le regardait, même il parlait là. Il le regardait, il dit, mais il y a eu la victime, il y a eu. Là, c'est mouton ça. Elle dit qu'elle allait, elle a pris sa chance d'être qu'il faut. Il ne faudrait pas qu'il ait de l'argent. Tu as pris ça comment? Ça passe à Falio. Tu fais des Akan, des Falio. Pendant qu'on la délivre, on te délivre aussi.
Il ne faut pas que, il dit que son papa ne l'a pas bien traité. Donc, il ne faut pas que lui puisse donner de l'argent à son papa. C'est pour ça qu'elle a pris l'argent dans la société. Oh, c'est pas une raison. Il a quoi avoir son papa? Faut pas me fatiguer. Tu as gardé son argent. La raison n'est pas, c'est pas celle la raison. Elle a gardé son argent parce qu'elle a une promotion sorcellerie. Elle a vendu pour qu'on lui donne le pouvoir de sorcellerie. On voit ici qu'il y a des coins de mort, va y notimi. Il tient à il y a un coin ici qu'il y a pas lieu. C'est ça. Donc tu entends de jouer moi quoi. Tu me joues moi. Parce qu'on voit. Attends. Est-ce que tu as dit là, c'est ça? Maintenant, c'est quel pouvoir t'en donner? Il dit même pas mal de cas, il y a des. Il n'y a pas mal de cas. Il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. Est-ce que c'est un pouvoir de sorcellerie? Oui, là. C'est quel pouvoir? Quel est le pouvoir? Sentiment, il y a beaucoup de monde. Il faut dire un peu se dédoubler trois fois. Ce pouvoir est là, ça. Ils ont donné ce pouvoir de se dédoubler trois fois. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de faire ça une seule fois, mais elle a ce pouvoir-là. Elle a vendu pour se dédoubler trois fois. Seigneur, est-ce que Aïli aura ici qu'il y a des apakas qui ont pensant? Aïli, n'est-ce pas? Non, tu ne dis pas. C'est ça. Hein? Et puis tu dis pas. Il faut dire ta maman, il faut lui dire que sa maman ne veut pas délivrer, elle est en train de me fatiguer. Tu ne veux pas délivrer. Non, après le mot, elle est bien, elle est bien. Il y a un petit peu de temps, ça, comme nous. Ton avion, là, tu fais comment? Ton avion. Oh, bah, non, avion, ah, il va passer à ma colle, avion. Allez, ma avion, bah, non. Bah, maintenant, les avions. Allez, ou bien les mains. Allez, les mains. Allez, les mains. Elle dit qu'elle est un avion. Comment elle fait son avion? On va passer à un avion. Elle dit quoi? Elle dit c'est quelqu'un qui elle a un chauffeur. Eh, pas jouer moi. Excuse-moi, je dis que tu as te choqué. Mais il faut que je lui dise ça. Elle s'est même dit comme lui. Il n'a pas bien expliqué. C'est son condo là. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis obligé de dire ça. Non, je me suis excusé par son fils tout à l'heure. C'est ce qu'elle prend. Son condo là. C'est ce qu'elle prend. Fait la vie. Excusez-moi, je suis obligé de dire. Voilà les choses. Excuse-moi. Elle dit c'est ça. Hein? Elle dit c'est ça. C'est la vérité. Maintenant, pourquoi tu n'expliques pas? Il y a encore ma yima, nous créons ma yima. Tu fais ça comment? Tu vas faire ça avec le bonheur pour qu'il y ait un bonheur. Yo, tu vas faire un avec le bonheur. Mais on cache l'avion, il y a un client. Il y a un client. Elle dit ça. Eh ben quoi? Elle dit ça. Elle est la vie. C'est là, je suis comme ça. Et puis quoi? Elle déplie le condo, elle monte, elle s'en va.
Elle depuis ça arrive à bien. Vraiment, ça va. On lui dit, je sais tout. Tout ce qu'elle fait, je connais. Mais si il parle, c'est pas bon pour elle. Il faut qu'elle-même dise les choses. Mais le canari, j'ai besoin de ça. Le canari, c'est ma obésité. Voilà. Voilà. Elle dit que le jour elle devait venir avec, on lui a dit de laisser ça là-bas, que c'est au village là-bas. Bon, on va aller prendre, hein. On va prendre. Tu n'as pas encore fini le village là-bas. Hein? Tu as parlé d'argent, il y a deuxième chose. Il y a eu vacances quand 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 il y a eu. Si tu n'as pas envie de parler, tu vas quitter chez moi ici. Pour lui qui ça va comprendre. Yo, ça prend comment ça va m'aider de voir. Ça va pas encore. Ça va pas. 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 Quand j'étudie, j'ai vu comment les blancs les traquaient. Quand on partait à Rouen, il y a la cathédrale que les gens visitent, où il y a eu le procès des gens d'accord. Malheureusement, cette dame qui n'était pas sur le chemin, qui avait les visions, ils l'ont tué. Mais la cathédrale est là, c'est là où voici où est le procès des gens d'accord. Dans ce coin-là, quand un sorcier commence à parler, qu'il ne parle pas bien, on prend, on fait chaud, et puis on met dans son œil. Chaud. Bon, c'est son mouton de janvier. C'est pas là. Demande-lui. Il y a un jour. Janvier, was by now. Janvier, dans combien 3 mois, non? Bois. Janvier, bois. Oui. Excusez-moi. Octobre, novembre, c'est 3 mois. Elle va manger. Elle va manger, ouais, mais elle dit c'est ça. Allez manger. Tu vas aller manger. Il y a un peu, il a dit que. Janvier. Elle dit oui, qu'elle veut le tuer. Mais est-ce que tu lui as dit ça? Il y a un cacré d'Isso. Elle dit non, qu'elle ne lui a pas dit ça. Et pourquoi? Il y a un cacré d'Isso. Mais il y a un mouton. Il y a quand il parlait là, il dit, mais il y a lui là. Mais c'est un mouton, elle mouton. Elle dit. Oh, t'imagines en janvier. Sauce claire. Sauce claire, chiqui, elle te mange. Il dit quoi? Elle dit. Comme elle veut le tuer là, c'est pourquoi elle ne lui a pas dit ça. Si elle lui dit, il va savoir. Maintenant, on lui dit ça maintenant. Bye bye. Il y a qu'un cri. Il y a qu'un cri. Elle lui va. Jamais été tué. Il parle pas bien. Lève-toi. Lève-toi. Tu parles, tu souris. Pense que tu vas quand on entend s'amuser. C'est pas du cinéma. Elle dit moi, il dit que. J'ai dit que. En janvier. Elle dit, j'ai dit qu'en janvier, j'ai été tué. J'ai dit que. Elle a dit que. En janvier, va le tuer. Okay. Elle dit, j'ai dit, j'ai été tué en janvier. Pourquoi? Une question. Pourquoi tu vas le tuer? Pourquoi tu vas le tuer? Elle dit comme ça, elle est partie dans son service, c'est pourquoi vous le tuez en société. Tu vas le manger, c'est bien. Il y a une nègre. Il y a une nègre, une nègre. Elle dit dans la société, c'est bien. Donc il est déjà un mouton. Donc, on le montre, on va y boire, on va y boire.
Oui. Tracé. Oui, tracé. Ça va, Bré? J'ai voulu te dire, peut-être on l'a accusé de elle est sorcière. Toi-même, Janvier, mouton, sans arachide. Sauf pas que les aveux, c'est important. Je ne suis pas demandé de dire des sorciers. Tu as tué qui et tu as attaché qui? On est où sorcier? Parce que après janvier, forcément, ici, on m'a appelé. Pourquoi l'on s'est fait? Oui, on fait un zé. Elle est voyée, elle est mouton. Ah, lui, il a voir maman. Et ma maman. Oh, elle voit mouton de janvier. Ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Elle y va. Elle dit, elle n'est pas portable, mais comme c'est leur sorcellerie. Pourquoi le fils se vous parle? Elle y va? Elle demande si elle a répété encore. Elle répète mille fois si tu veux. Il y a que. Je croyais m'en faire. Elle dit que ça ne lui plaît pas, mais comme c'est à tour de rôle, c'est pourquoi? Le travail. J'ai pas mon tour. Bon, il n'y a pas mouton là-bas. Ou chez elle, il y a pas. C'est, tous les moutons sont finis. Bien, yo. On va ici, car. Wafa. Il poussait. Wafa. C'est le meilleur combat. La sorcellerie. Palais. C'est le meilleur combat. Plein sont des moutons dans l'église. Des sorciers. Quand tu fais des lits, amen. Tu es dans marmite. Sans graine. Et foutu banane mue. Les sorciers, ils en fichent. Elle dit quoi? Elle dit dans le village là-bas, il y a des animaux là-bas. Mais pourquoi elle n'achète pas pour manger? Yo, là où bois ou l'or. Elle est à tout moment, il y a un dimanche, on croit qu'il y a un peu de Dieu. Elle dit comme c'est un travail qu'ils font, ça ne peut pas sinon, il y a un viol là-bas. Donc pour l'homme là, c'est tout. Il y a ça, mais quoi il fait? Bah, il met nos sangs, mais il fait. Elle dit que c'est doux, que si c'est pas doux, on n'allait pas manger. C'est plus doux que poisson. Il y a un effet tragué dans le diable. Pour répondre à mes questions. Il y a des sous, comme ça, sans pas qu'à tes sous. Elle dit oui. C'est plus doux que poisson. Donc ça, il ne va pas laisser. Donc, pour que tu aies un sujet, tu vas en direct. Elle est venue pour être délivrée, qu'elle veut laisser. Bon, tu veux laisser, mais c'est tout. Donc on fait comment? Yo, un peu de yakin, plus moi, on y fait. Monsieur, tu as été délivré. Hein? Quand je vous dis, il n'y a rien, le hasard n'existe pas. C'est une question de programmation. C'est qui j'en ai dit là? Il y a un monsieur qui est venu ici. C'est le responsable de Pâques Plus à Pietri là. Père à son âge, j'avais désiré les morts. Il m'a excusé de me parler. Sa fille lui a dit, ils vont le tuer en fin d'année passée là. Je vais partir aux États-Unis. Ils sont venus, on a parlé, ils sont au bureau ici. Il dit, je ne crois pas, mais comme elle a dit, j'ai appelé un de mes amis aux États-Unis, celui qui m'a dit de venir. J'ai dit, vous ne croyez pas? Il dit, bon, comme elle même dit, lui, il a vu ça en plaisanterie. Je lui ai dit, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. On s'est changé les numéros. Je suis allé aux États-Unis. L'année est passée. Décembre, janvier est passé. Rien. Il ne m'appelle pas. Il ne cherche pas à me voir. J'étais en France. Quand j'ai mis RIP sur son nom, parce qu'on est amis sur Facebook, en mars, ils l'ont tué. Il est là-bas. Il est venu ici, tout le monde le sait.
C'est ici. Je leur ai dit ce qu'ils ont dit là. Si tu ne suis pas ta délivrance, ils vont te tuer. Ils m'ont tout dit, et la fille m'a tout dit. Celui-là, la fille m'a passé la nuit chez moi parce qu'elle ne voulait pas dormir ici. Et c'est chez moi même à la maison, ma résidence. Il y a une maîtrise spirituelle de Londres qui m'a recommandé, il faut aider mon ami, pardon, il faut l'aider. C'est pardon là, il dit, bon, je vais prendre le sujet au sérieux, mais lui n'a pas pris au sérieux. Il est mort. C'est pour dire ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas de l'amusement. Voilà. Nous, on a trop de témoignages ici. Les gens que j'ai programmés qui jouaient ça, on les a mangés. La vie, elle a fait une mangeuse. Ce qu'elle dit là, c'est pas faux. Elle a été mangée une bonne sauce arachide. Elle est foutu igname. Elle fait manger de foutu igname. Elle est bien tout mangée. Plein janvier. Elle allait boire du vin. Ta femme la met ses vins maintenant. Elle rote. Elle a mangé. Ils vont pleurer, c'est fini. C'est fini. Il faut lui dire, elle est sorcière, puis depuis, elle ne se peut pas délivrer. Nyayo, quand tu vas écouter pour la langue, quand on a envie, il y a du monde. 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 Il faut lui demander, le mot des filles là, ça peut avoir. Elle veut aller te tête délivrée. Elle dit qu'elle veut venir se faire délivrer et qu'elle n'a pas quelqu'un pour l'accompagner. Mais ça l'a mal oublié, c'est pas les assises là-bas. Bouge des sorciers. Elle dit c'est vous qui ne voulez pas l'envoyer à l'église, la délivrer. Non, mais elle dit, elle peut t'appeler. Elle dit pourquoi c'est toi qui ne veux pas la faire délivrer. Hein? C'est ce qu'il va attendre. Elle dit quoi? Elle dit que quand elle voit les choses, elle est venue prier, mais elle ne peut pas marcher, c'est tout pour mal. Elle n'a pas enfant auprès d'elle. Faut dire son fils dit c'est faux. Nya, oh, Anya, n'a que les noms en gros. Elle dit si elle vient là, il va se couper d'elle. Mais qu'ils ne sont pas là. Bon, tu as assis puis tu continues de manger. Tu ne peux pas te dire ça. Bon, demain on va poursuivre ça. Hein? On va achever, on va te délivrer de là. Je tiens debout. La présence de Dieu. Et nous allons prier pour que Dieu mette fin aux œuvres. Le règne du diable, il ne doit pas régner en maître absolu sur nos vies. Le diable ne régnera pas en maître. Tu vas crier à l'Éternel ce soir. Pour dire trop, c'est trop. Le diable ne régnera pas en maître. Toi, tu es venu te confier en lui. Tu es venu te confier en Dieu. Et que le diable arrête ses œuvres sur ta vie. Appelle le secours de Dieu. Je veux voir tout le monde prier. Prions ensemble, Seigneur. Je veux voir tout le monde en train de prier. Invoque le secours de Dieu. Invoque le secours de l'Éternel. Invoque le secours de Dieu. Nous implorons ta grâce. Nous implorons toute ta grâce, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous implorons ta grâce ce soir. Regarde combien de fois le diable a décidé de détruire. Regarde combien de fois le diable a décidé de nuire des vies. Nous te prions de te manifester. Nous te prions de te manifester. Nous te demandons de te manifester. Au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Le Dieu des armées. Viens notre Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, nous t'invoquons ce soir. Viens et manifeste-toi. Nous comptons sur ta main. Nous comptons sur ta puissance. Éternel notre Dieu, nous nous confions à toi. Dieu véritable et puissant. Viens, éternel notre Dieu. Défends notre cause. Nous t'invoquons ce soir. Viens et manifeste-toi, notre Dieu. Viens,
et manifeste-toi, notre Dieu. Viens et manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je veux voir tout le monde prier. Ouvre la bouche et parle à l'Éternel. Ouvre la bouche et parle ce soir à l'Éternel. La Bible déclare quiconque invoque le nom du Seigneur, invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Viens. Et accorde-nous la délivrance. Viens. Et accorde-nous la délivrance. Au nom de Jésus. Viens. Et accorde-nous la délivrance. S'il te plaît. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur la manifestation de ton pouvoir et de ton règne. Sur la manifestation de ton pouvoir et de ton règne. Continue de prier. Continue de prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu se manifeste ce soir. La puissance de Dieu se manifeste ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier, convoquer tous ceux qui t'en veulent. La Bible déclare la femme, n'est-ce pas, la prostituée, les deux prostituées, quand elles sont disputées, elles ont décidé d'aller à Jérusalem. Parce que si ça restait entre les deux, ils ne devaient pas avoir gagné de cause. L'autre tue son fils, l'enfant de l'autre. Donc, pendant qu'elle dormait, elle a dormi sur son enfant. Elle a troqué les enfants. Les deux sont en train de disputer. L'autre dit, non, il faut que je parte à Jérusalem. Mais plein de pleurs du roi. Jésus-Christ, il est le roi de rois et le Dieu de justice. Nous allons monter à Jérusalem et nous allons nous plaindre près du roi. Ce que le sorcier t'a fait, tu vas lui dire, voici ce qu'ils m'ont fait. Je le convoque devant ton trône et je demande justice. Prie ensemble, Seigneur. Je le convoque devant ton trône et je te demande justice. Je le convoque devant ton trône et je te demande justice. Ils ont mis à mon travail, ils ont mis à ma carrière professionnelle, ils ont mis à mon foyer, ils ont mis à mes finances. Je te demande justice, Seigneur. Je te demande justice au nom de Jésus. Je réclame justice, Seigneur. Oh, rabababababababa. Oh la baba baba baba. Oh la baba baba baba. Oh la baba baba. Je réclame justice, Seigneur. Je réclame justice, Seigneur. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tous ceux qui m'en veulent. Tous ceux qui m'en veulent. Je réclame justice, Seigneur. Tous ceux qui vous en veulent. Nous réclamons justice. C'est qui? Je suis en train de détruire vos carrières professionnelles. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons la puissance de Dieu. Nous réclamons la puissance de Dieu. Nous réclamons la puissance de Dieu. Nous réclamons cette puissance de Dieu. La 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 puissance de Dieu. Nous réclamons 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 la puissance de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, 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 la puissance de Jésus-Christ, la justice de Dieu, au nom de Jésus, la sorcellerie vous lâche, lâche tes finances, lâche ta carrière,
Lâche ta vie. Lâche ton foyer. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. 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 Vous visitez ce soir. Jésus-Christ, vous visitez ce soir. Jésus-Christ, vous visitez ce soir. Jésus, 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 vous visitez ce soir. La puissance de Dieu. 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 Mettez la main sur la tête. Va te visiter tout à l'heure. Et l'onction de délivrance sera sur toi tout à l'heure. Pendant que je parle, la main de Dieu vient te visiter. À partir de ma droite jusqu'à de l'autre côté à gauche, la puissance de Dieu vous visite maintenant. Les chaînes tombent. Les chaînes mystiques qui étaient à ta main sont brisées maintenant. Recevez la puissance de Dieu. Et pendant que je parle, la maladie part de ton corps par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Dieu te visite là où tu es arrêté maintenant. Une onction particulière se manifeste ce soir dans ta vie. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de notre Dieu. Ce soir se manifeste. Recevez toute la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Dieu est en train de libérer vos finances. Dieu libère tes finances. Dieu est en train de libérer tes finances. Quelque chose en train de passer dans le monde spirituel. Dieu est en train de libérer tes finances. Dieu est en train de libérer ton voyage. Dieu est en train de libérer ton voyage. Ce soir, la puissance de Dieu est en train de libérer ton foyer. La puissance de Dieu est en train de libérer ton mariage. La puissance de Dieu est en train de libérer, n'est-ce pas, ton commerce. Reçois la gloire de Dieu. Reçois sur toi la puissance de Dieu. Reçois sur toi la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes de l'esclavage tombent. Sont brisées ce soir par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Jésus te guérit là où tu es. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Reçois la puissance de Jésus. Jésus. Jésus te libère maintenant. Reçois la puissance de Dieu. 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 Jésus-Christ te visite maintenant. Jésus te visite maintenant. Jésus te visite maintenant. Les chaînes tombent. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes de l'esclavage sont en train de tomber. La puissance de Dieu est en train de vous libérer. Je sens que tu es en train de guérir de femmes, d'un problème de ventre qui causait une stérilité. Le miracle de Dieu en train de s'opérer maintenant même. Regarde, la main de Dieu en train de guérir des dames d'un problème de stérilité. Jésus-Christ te guérit et le mal part et ton ventre commence à être libéré. Reçois, recevez. Reçois! Colonne! Colonne! Hey! La puissance de Dieu. Le miracle en train de s'opérer. Le miracle en train de s'opérer. Le miracle de Dieu en train de s'opérer. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Oui, recevez le miracle de Dieu. Recevez toute la grâce de Dieu. La puissance de Dieu. Un vent de miracle. Un vent de miracle. Plante sur vous le miracle de Dieu. La guérison et la restauration de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu vous libère ce soir. Nous levons tous les mains et nous disons merci au Seigneur pour son miracle. Nous remercions le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la délivrance. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Remercie le Seigneur pour le miracle. Remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour toi. Remercie le Seigneur pour ta grâce sur ta vie.